Hier, il n'y avait que 28 600 manifestants dans toute la France. C'est le chiffre le plus bas depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que ça veut dire que le mouvement des Gilets jaunes, c'est fini, c'est derrière nous? Je ne crois pas. Ce serait une erreur de penser que le mouvement des Gilets jaunes est derrière nous, non pas dans le sens de démonstration physique, et j'espère que ces manifestations vont s'arrêter. On en a tous souffert, l'image de la France en a beaucoup souffert. Mais le mouvement, c'est-à-dire au sens où ceux qui l'exprimaient dès le départ dans cette revendication à la fois de meilleures conditions de vie, d'une meilleure démocratie aussi, puis d'une meilleure protection de la planète. Je crois qu'il y a vraiment ces trois piliers dans le mouvement des Gilets jaunes et de ceux qui ont été solidaires du mouvement des Gilets jaunes. Alors, souvenez-vous, quand même, pendant beaucoup de semaines, les Français ont été solidaires. Donc ça veut dire quand même quelque chose. Très majoritairement en soutien. Voilà.